Bonjour à tous, nous sommes ici à l'espace Georges Sadoul et je suis là pour vous parler de notre prochain rendez-vous culturel. Comme vous le savez, la culture à Saint-Dié-des-Vosges se présente un peu sous toutes ses formes, sous toutes ses esthétiques, passant de la découverte avec des créations contemporaines que propose la Nef à des spectacles plus grand public proposés par l'espace Georges Sadoul. Parmi justement cette diversité culturelle, je suis là pour vous présenter un prochain rendez-vous très festif autour de la culture celtique. Bon, là, il y a un peu trop de lumière, donc on va demander quand même à Polo, notre technicien spécialisé à la régie de la lumière et du son, de nous baisser. Voilà ce qu'il faut pour pouvoir faire une présentation. Alors voilà, donc avec cette télécommande, donc on peut régler les lumières en fin de compte depuis le plateau, qui permet d'éviter d'aller jusqu'à la régie. Donc en appuyant sur le numéro de circuit, on valide et là on peut régler et baisser les intensités. Vendredi 21 mars prochain, nous vous convions à une grande soirée festive ici à l'espace Georges Sadoul autour de la Saint-Patrick. Chaque année, nous tentons de programmer dans la saison culturelle un moment festif pour tous. Donc à cette occasion, nous allons changer un peu la configuration de notre salle. Nous allons retirer le parterre de sièges, avoir justement une configuration assis-debout et nous allons accueillir les Selkilts. Alors les Selkilts, c'est de l'énergie. C'est 100% d'énergie, c'est un groupe qui a une fougue vraiment entraînante et ça c'est digne d'une Saint-Patrick. On va me dire, oui la Saint-Patrick on a l'habitude d'en voir, c'est un peu toujours la même chose, pas vrai, très faux même. Cette année beaucoup de fraîcheur, beaucoup d'énergie comme je le disais, avec un groupe que j'ai découvert personnellement sur une émission qui s'appelle Taratata. Je les ai découverts là, j'ai vu après qu'ils sont passés dans Incroyable Talent, nous sommes allés les voir et là je peux vous garantir qu'ils vont vous organiser, vous concocter une petite soirée très sympathique. À cette occasion, tout le hall de l'espace Georges Sadoul va être revisité en un grand pub irlandais avec bien sûr bière, pression et petite restauration sur place. Le London Tavern prendra place dans ces lieux justement pour faire un accueil digne de ce nom et festif. Donc voilà, moi je vous donne rendez-vous le vendredi 21 mars à l'espace Georges Sadoul pour une grande soirée celtique festive. Ouais.